Yon autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Bombard TV depuis Bombard Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Aujourd'hui, nous allons développer trois points pour une information. Mais avant de faire ça, l'équipe Bombard TV a voulu remercier tout le monde qui est toujours branché Bombard TV pour information pays. Et un gros remerciement avec ça. Toujours quitte un commentaire pour nous, positif ou bien négatif. Ici, dans Bombard Police, l'équipe Bombard TV a nous apprécié ça. Et si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou pas oublier abonner avec Bombard TV et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Bombard TV. Et bien, nous ne perdons pas de temps à dérouler avec information. En ouais. Mais pour nous permettre une grosse opération nettoyage dans plusieurs rues, avec le marché qu'à vous faire là, dans l'idée pour qu'il y ait besoin de propre dans le moment pandémie maladie. L'autre information que nous avons pour vous, opération ministère des Travaux publics et communication, cap construit environ 4 km route dans la zone métropolitaine pour lever Figi Port-au-Prince. Responsable du ministère de l'Agriculture a lancé un programme dans la commune Caracol qui peut permettre au gouvernement de travailler avec l'agriculteur. C'est information ça nous porter pour nous, pas perdre du temps, nous commencer à couler. Son travail, maïstère, ben nous faisons nous-mêmes parce que ville là, nous demandons pour le propre. Maïstère, nous demandons pour ville la propre. Mais il n'y a pas de problème pour la ville la propre. Mais nous avons un problème dans la vie de Fatra. Nous trouvons un message là passé. Parce que mes mérites de pouvoir prendre tout fait message là passé. Parce que l'un après ma fatra, au même côté de finir ma là, c'est même côté où nous avons rejeté fatra encore. Et nous demandons à nous pour nous une chance. Pardon après ma fatra, pour ne pas quitter fatra à la caille, pour nous venir côté au nous. Parce que l'un nous finit lever ensuite là, là c'est comme si nous ne travaillons. Même nous-mêmes, maïstère, nous avons une faute de nous ne travaillons. Et ce n'est pas nous-mêmes. C'est peuple qui mal travaille avec nous. Parce que l'un nous finit ma fatra, nous avons le même côté. Pour nous déplacer bloc qui clore la tête. Nous avons marché tunnel, ce n'est pas la première fois, ça fait nous deuxième voyage nous là. Initiative mairie de Port-au-Prince, ça fait nous 5 semaines que depuis n'a pas aspergé et lavé toute zone métropolitaine non, pour aider la population gourmée contre la pandémie coronavirus. Le réseau ça aujourd'hui qui fait nous désinfecter toute zone avoisine notre marché tunnel et ensuite on a marché qui déjà aspergé avec l'eau. Et ce travail ça fait déjà Kafoufei à plusieurs reprises. Même si plusieurs épisodes, ça fait nous troisième fois que nous venons à Kafoufei. Et d'après Pep Kafoufei, ce sont belles initiatives liées. Mais on se bagaille, je suis bien content. La mairie, je ne jeudi, capable de comprendre qui est le coronavirus. Il est capable de bien propter et pas seulement marcher tunnel là et à travers tout notre marché, il a fait propter. Je suis content, je suis d'accord ça, mais bon malgré tout, nous vivons dans le Cap-Vert là. Si on regarde là, marcher ça, marcher tunnel là, c'est comme si nous avons un espace qui n'est pas assez grand. Et marcher, et si on rentre dans le marché là, après, il n'est pas un grand marché, mais il a supposé, souhaiter tout pour la même je la mairie, lui-même a bien fait propreté et dans le marché contre le coronavirus, nous avons tout pour bien agrandir le marché pour le marché. Parce que souvent, grand dans après mon yon, petit gens coincé, c'est pas seulement marché à tout nous, il faut que penser tout avec les jeunes qui n'ont pas pour faire. Réhabilitation, quadrilatère composé de rue de la Réunion. Ensuite, nous prenons rue Saint-Honoré, rue Saint-Borex, nous prenons rue Capois et puis nous descendons dans la ville de la République, passer devant le palais, viser dans la rue des casernes pour nous boucler, quoi, dit la terre. Et nous préférons toute portion qui trouvait en dedans, quoi, dit la terre. Nous avons fait tout ça, c'est parce que nous remarquons que les couches de base, nous ne savons pas qu'il y a encore. C'est ça qui fait nous. On a fouillé des fois, un côté de fouiller jusqu'à 1 mètre, plus que 1 mètre même. Un côté de fouiller jusqu'à 80 cm. Donc pour nous enlever plus de fondation existante là, parce que les perdit toute résistance. Même fait ça, nous venons avec des tout venants pour nous remplacer. Au cas où aujourd'hui, nous commençons à faire 4 niveaux. Et nous avons environ entre 3 à 4 km pour nous faire dans. Quoi dire la tête à Kenya?
Alors, et dans la phase nous, là, c'est qui ça? Décapage ou bien dans qui phase nous? Là? Ok, nous avons environ un mois depuis que nous avons commencé le décapage là. Et vous nous allez un peu là, c'est parce que nous avons un problème de matériel. Nous avons tout actuellement. Le service d'entretien a fonctionné avec seulement 9 camions. Des fois, nous avons deux campagnes dans nos journaux, nous travaillons seulement avec 7. Nous avons seulement un seul pelle et ça va pisser les coups qui vont être avec pour faire des capagnons. C'est ça qui explique la lenteur ça. Mais Dieu soit loué, nous n'avons pas avancé. Et nous espérons que dans les prochains jours, nous avons les moyens nécessaires pour aller un peu plus rapide. Et je dis à la COLG, nous avons continué à faire des capages. Nous finissons de décaper de la Réunion, je dis à Napantamé, Saint-Honoré pour monter. Et je dis à tout, nous commençons avec quatre niveaux dans de la Réunion, ou pas pour ça. Et nous avons lancé. Je dis à nous, dans la commune Caracol, dans Ticouline, côté que nous avons lancé une activité de labourage. Et ceci, nous avons essayé de faire ça à travers le pays. Pendant ma part, nous avons même une activité qui a fait dans le sud. Côté que nous avons un service de labourage et dans notre ce que nous avons là, après consultation que nous faisons avec le directeur départemental là, qui déjà inventorie les besoins qui gagnent, demande qui gagne en labourage dans le département nord-est, côté que nous évaluons à environ 1000 hectares de terre, le ministère a venu en appui. Je dis à là, nous présents ici hein, parce que nous même là, on n'a pas le faire labourage là, mais nous avons besoin de commencer par des soussages là. Et ça fait nous présents l'après-midi avec le directeur départemental nord-est, agronome Sama. Qui là qui a un leadership qui pour, au niveau département dans le secteur agricole là, qui prépare inventaire ça, qui vole au niveau central. Et nous avons un directeur infrastructure agricole, elle qui est là ensemble avec nous, okay? Ingénieur Marc-Edouard, qui présent jeudi à là, qui vous porte tout appui nous en département nord-est là, pendant que nous avons un directeur départemental du sud qui a fait même travail là. Jeudi à nous commençons avec des sous-charges là. Nous allons faire ça tout au cours de la journée ça, et jusqu'à ce que nous arrivions mercredi. Parce que nous avons des tracteurs pour venir pour labourer. Et là, nous avons 1000 hectares de terre pour labourer ou mettre en production. C'est vraiment quelque chose. Nous connaissons vivre des moments difficiles avec la situation du coronavirus. Là. Nous avons besoin de gagner dans le pays en parlant de nutrition, en parlant d'aliments pour que nous manger. Nous connaissons nos pays, nous avons des difficultés. Parce que nous avons pile manger nous et sortir de l'extérieur. Et nous connaissons les frontières fermées pour le moment. Pour réduire le nombre de. Et aliments ou bien produits capotés dans le pays, il faut que le pays soit capable de remonter l'agriculture pour nous capables de gagner assez manger pour nous peuple à manger. Alors, nous avons commencé avec TSAO et puis pour nous mettre en production des productions à cycle court. Parce que si nous avons parlé dans les trois prochains mois qui sont venus, le besoin de gagner, il y a un très énorme. Nous avons aller vers des produits que environ 3 mois, 2 à 3 mois, nous avons gagné disponibles sur le marché. Parce que grand pile spaghetti, grand pile autre bagaille qui est habitué à entrer dans le pays, qui n'est pas rentrer en grande quantité encore, pour nous capables de venir en appui. Pour le cas de calalou, pour le cas de patate douce, etc. Si nous mettons ça en production, une centaine hectares de terre dans notre là, et puis d'autre part, nous avons 200 hectares de terre en production, ça c'est quelque chose pour nous capables de porter en appui à ce secteur agricole là pour besoin de gagner dans le pays. Aujourd'hui, en Jean Carwell, nous sommes sous Caracol, côté que, avec Bacop et ministère, là, nous avons mis en valeur, nous avons défriché, fait des sous-charges de terrain sous zone Caracol. Maintenant, Jean DG a soudé, Jean ingénieur Makido a soudé, c'est que au niveau du nord-est, nous avons environ 1000 hectares de terre pour que nous fassions opération coup de poing ça. Opération coup de poing ça, je dis, c'est face à la situation difficile que nous vivons dans le moment où nous là. Côté tout secteur, nous devons mettre en branle pour que nous soyons capables d'accompagner les agriculteurs, surtout dans le secteur agricole là, pour que. Question service labourage, question semences, nous avons venu en appui avec eux. Au niveau du Nord-Est, nous avons 13 communes. 13 communes, ça y est, et côté, nous avons Caracol, Trou du Nord, Montbencochu, Vallière, et Caris, Montorganisé, Wanamet, Sainte-Suzanne, Fort-Liberté, Ferrier. C'est toutes 13 communes, ça y est, côté opération, d'accord, dit coup de poing, ça, nous privé sur. Planteurs, agriculteurs qui sont dans la zone. Mais je ne dis pas, faut bien préciser le côté que c'est tout agriculteur, que ce soit petit agriculteur, que ce soit moyen agriculteur, que ce soit grand exploitant.
agriculteur et le ministère a procédé par campagne agricole. Dans la campagne agricole, là, où il doit avoir un ministère, c'est semence qu'on a vu agriculteur. Maintenant, toute notre opération, agriculteur qu'on prend en charge. Par exemple, service labourage là aussi, ministère qu'on subventionne pour agriculteur. Mais dans le contexte, je dis, contexte difficile, ça qu'on a vivre là, ministère entend pour appuyer vraiment agriculteur, que ce soit dans semence, que ce soit service labourage là, c'est que je ne planifie service labourage là, c'est que nous pouvons aller vers Mounio pour que nous labourions à Mounio, bailler aux semences pour que nous-mêmes nous fassions plantation. Dans 2 à 3 mois, nous avons besoin de produits qui prêts pour que nous puissions manger. Maintenant, le ministère n'a pas arrêté là. Nous tout fait programmation pour la prochaine campagne agricole qui va venir. Ça veut dire une fois que nous retirons la culture saronataire, et bien prochaine campagne là, nous tout démarrer avec rapidement avec Mounio pour que nous puissions garantir la disponibilité de manger ça sur une période qui long pour que Mounio capable de satisfaire besoin ça. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.